Et salut tout le monde, c'est Jeux Vidéo Continue, on se retrouve pour notre nouveau let's play. Donc on se retrouve sur Unravel. Donc bah à la fin de mon let's play sur Ori and the Blind Forest, j'avais dit que que j'allais faire un jeu dans le même genre que Ori, tout simplement. Voilà, j'ai trouvé Unravel. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, Unravel. Ou Unravel, je sais pas. Donc on va voir ce que ça donne. Donc en tout cas, l'enthousiasme qu'il y a eu pour ce jeu, c'était à peu près la même que pour Ori. Donc à mon avis, il est quasiment du même niveau. Donc c'est pas plus mal. Voilà, j'ai rien à dire. En tout cas, la seule chose que je connais du jeu, c'est tout simplement qu'on est dans la peau d'une pelote de laine. Un personnage en laine. Voilà, sinon je connais rien d'autre du jeu, je connais pas l'histoire, je connais rien du tout. J'ai juste regardé la bande-annonce. Écoutez, on est parti. Oui. C'est parti. Ok, d'accord, ça commence comme ça. Ok. Donc pour l'instant, on n'a rien vu. Hein. Juste une mémé qui a fait tomber sa pelote de laine, qui est... il s'appelle Unravel, lui. Alors je sais pas si Unravel c'est le personnage ou le nom du jeu. On verra ça plus tard. Ok, donc on est parti. Alors par contre aussi, je me suis un peu renseigné, parce que là, je suis sur la version PC. Donc je me suis un peu renseigné et beaucoup de gens disent que beaucoup de gens ont eu du mal à le faire tourner, même sur de PC puissants. Donc le mien est assez puissant, donc voilà. Donc s'il y a des petits problèmes, c'est dû au jeu, c'est pas dû à mon PC. Donc j'espère qu'on en aura pas. En tout cas, j'ai lu beaucoup de commentaires de personnes qui disaient qu'ils avaient des problèmes avec le jeu sur leur PC. Espérons qu'on n'en ait pas. Alors attendez 2 secondes. Alors, paramètres. Ok, sonore, volume, d'accord, graphisme, élevé, ok, nickel. D'accord, donc écoutez, on est parti. Alors, donc ça c'est pour sauter. D'accord. Ok, il jette de la laine. D'accord. Et ensuite... écoutez, on n'a rien d'autre. Donc écoutez, c'est parti. Alors, X. D'accord, donc là on est en train de lire un livre. Donc là on a une photo... une vieille photo. Pareil ici... Ok, je crois que... Ok, toutes les photos, elles sont détruites. Donc écoutez, je pense que ce livre va nous servir pour plus tard, peut-être. Donc on va continuer à avancer. En tout cas, déjà là, les graphismes sont excellents. Et jouer... c'est tellement fantastique. En fait, là, on joue un personnage de laine dans un monde réel, en fait. C'est pas Komori. Je pensais que ça allait être Komori, un monde totalement... totalement fantastique, mais pas du tout. Là, on est vraiment dans un monde réel. D'accord.
herbe folle. Ok, c'est quoi ça? Ah d'accord, je peux avancer, j'avais pas compris. D'accord. Donc là, on a vu une photo, je crois que la photo, en fait, la femme qu'on a vue toute seule, bah, c'est la mémé qu'on a vue dans la cinématique de début. Donc ce qui veut dire bah, qu'elle s'est retrouvée toute seule. Ah oui, c'est magnifique. Ah oui, ça me donne des frissons, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. C'est parti. Ah, je crois que je suis en train de perdre de la laine. Ok, il essaie d'attraper le papillon. C'est magnifique. D'accord. Il vous faut plus de laine. Maintenez RT pour lancer le lasso. Ok. D'accord. D'accord. Vous sauterez plus haut et plus loin si vous courez. Comment on fait pour courir? C'est ça courir? Je crois. Non, c'est pas ça. Attendez, on va réessayer si c'est ça, je crois. Maintenez B pour saisir des objets, déplacer le pot vers la gauche. Maintenez LT pour saisir votre queue de laine, puis remontez avec le stick analogique gauche. D'accord. Appuyez sur A pour traverser le fossé en sautant. Ok. Ah, j'ai compris. D'accord. Maintenez RT pour lancer la, pour lancer le lasso. Ok. Ça marche, d'accord, c'est quoi ça? Ok, donc là je crois que... En fait là il est tout simplement en train de voir des souvenirs. La surface qui scintille comme ceci peut être escaladée, utilisez le stick analogique gauche pour grimper. Ok. Appuyez sur A pour sauter, puis RT pour lancer le lasso pendant le saut. D'accord. Ok, là, il était en train de se remettre de la laine. Ah, raté. En tout cas, le gameplay est déjà excellent. Alors, appuyez sur X pour attacher la laine. Essayez de construire un pont de laine ici. Ah, faut que je reste appuyé, d'accord. On parlait de cet endroit. Attendez, on parlait de cet endroit à droite, mais ça fonctionne aussi. Ah, d'accord. Maintenez le stick. Ok, ils ont oublié de mettre un espace. Maintenez le stick analogique gauche vers le bas. Alors, attendez, j'ai baissé un peu le son parce que ça me casse un peu les oreilles. En tout cas, la musique est excellente aussi. Gauche vers le bas et relâché pour faire de la catapulte sur le sur les ponts de laine. Attendez, j'ai pas compris là. Maintenez le stick analogique gauche vers le bas et relâché pour faire de la catapulte sur le pont de laine. Ah, faut que j'attache les deux côtés, je crois.
Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, c'est bien ça, d'accord. Ok, les petits osios. Ok, faut que je fasse la même chose. D'accord. Vous vous souvenez de votre lasso, maintenez RT et grimpez avec le stick analogique gauche. Vous pouvez faire des nœuds en grimpant, appuyez sur X pour fixer votre laine. D'accord, j'ai compris. Ok. D'accord. Orientez le stick analogique gauche vers le bas et appuyez sur A pour descendre d'un pont de certaines plateformes. Ok, ça marche. Maintenez LT et utilisez le stick analogique gauche pour descendre en toute sécurité avec votre queue de laine. LT. Attendez. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Ok. D'accord. Vous voyez la lumière tourbillonnante, si vous quittez et revenez à ce niveau, vous reprendrez à cet endroit. Ça marche, d'accord. Ok. Ça me sert à quoi ça ? À remonter, je sais pas. L'eau est extrêmement bien faite. D'accord. Wow, wow, wow. Je peux nager ? Attendez, attendez, est-ce que je peux nager ? Je crois pas. Hein. Non, 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 je peux pas nager. Ah mince ! Je suis mort. Ah, ça commence bien. Ok, c'est bon, je reviens ici. Ok. Donc ça, ça va m'aider à passer de l'autre côté. On va rester sur la pomme. J'espère que la pomme va flotter. Ouais, c'est bon. Je fais quoi? Non. Je fais comment pour aller de l'autre côté? Ah, peut-être qu'il faut que je fasse un pont de pommes. Vu qu'on en a plein ici, je pense que c'est ça. On va pousser les deux en même temps si on peut. Ok, on peut, nickel. What? Pourquoi il est pas tendu le fil là? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Comment ça se fait que là je peux pas grimper sur le... Ah mince, j'ai oublié l'attacher là. D'accord. Ok, voilà. Ah, par contre, je l'ai pas attaché dans le bon sens. Donc on va le détacher. Bon, pour le moment, on en a plus besoin, je crois. Voilà. Je crois qu'on en a besoin que deux. J'espère. Non, non, non. On va aller en chercher un troisième. Ça va pas le faire, je pense. Donc on va l'attacher ici en premier. Et ici en deuxième. Voilà. Et toi, on va te pousser. Donc ça, on détache.
Je sais pas si ça me sert à quelque chose de détacher, mais je détache quand même, on sait jamais. Ok, là je crois que c'est bon. Non, c'est pas bon. Mince. C'est pas bon là, si. On va tester. Non, 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 remonte, remonte. Remonte, remonte. Aïe, 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 c'est pas bon, c'est pas bon. Non, 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 il veut couler. Ah, je suis mort. Ah non, c'est bon. J'ai failli mourir. Ok, c'est pas assez, faut que j'aille en rechercher une autre. On va l'attacher dans ce sens, c'est pas grave. Bon, je pense que 4, ça devrait le faire. Ouais, ouais, ça va le faire, je pense. J'espère. On ne sait jamais. Faudrait que j'arrive à les pousser. Ouais, je pense que là, ça va le faire. Ok, nickel. D'accord. Si vous êtes bloqué, maintenez la flèche du bas pour recommencer une section. D'accord. Bah, je vais pas le faire. Ok. Ah d'accord. Alors je sais pas s'il y a des trucs à récupérer. C'est peut-être qu'il y a des objets à récupérer que... qu'il faut récupérer. Donc je vais faire gaffe et bien regarder partout. Ok, donc on va remonter. Ah, déjà il y a un truc là. Ouais, il y a un truc en bas, d'accord. Donc on va descendre. Ah bah de toute façon je pense que j'étais obligé de le récupérer vu qu'il allait il allait me manquer de la laine, ouais c'est comme ça. C'est pour ça que je commence à ralentir là. Donc on va le récupérer. Hein? Je peux pas récupérer? D'accord. Ah d'accord. Ok. Voilà. Je peux pas le détacher? Non. Comment je suis censé faire alors? Je crois que j'ai fait une bêtise. Celui-là, ça fait beaucoup de tours quand même là. Celui-là, sans le défait. Je crois que j'ai fait une bêtise. Ah ok, je peux passer par ici, d'accord. Non, c'est bon, ok. Par contre, j'ai vu quelque chose en dessous. Ok, ça c'est quoi? Ah, je me disais bien, il y a des objets à récupérer. Par contre, je sais pas ce que c'est. On verra plus tard. Ah, ça brille encore. Bon, c'est rien de spécial, d'accord. Ça marche, ça marche. Ok, on a un vélo. Ah, je crois qu'il faut que je le tire. Ok, c'est pour grimper au-dessus. Ça marche. Par contre, il faut que je me fasse... Ah non, ok. Je crois que j'allais me faire écraser. D'accord.
Ouais, il y a quelque chose au-dessus. Ouais. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Attendez, je vais quand même le détacher. Hop, je vais aller voir de l'autre côté. Ok, il y a quelque chose là-haut. Que je ne peux pas attraper. Alors, donc, je pense qu'il faut que je grimpe à l'arbre. Hein. Ah ok, je suis con. En fait, faut juste que je me balance. J'ai pas besoin de grimper. Par contre, je vais pas oublier ce qu'il y a là-bas. Ok, nickel. Pile poil. Ok. D'accord. Ok, on peut essayer juste pour grimper ici. Ah le con. Ah non, j'ai fait une connerie. J'aurais pas dû descendre, tant pis. Donc on va refaire. Est-ce que si je saute de haut, il se fait mal? Pour le moment, j'ai pas l'impression. Raté. Raté. Bah alors? Non! Ok, ça commence bien. Je commence déjà à galérer. Voilà, on va bien se balancer. Nickel. Non! Oh, mais le con! J'avais oublié qu'il y en avait un dernier. Ok, ok, c'est bon. C'est quoi ça? Ok, c'est un enfant dans sa cabane. Ok, en fait, il prend les souvenirs, d'accord. Ah, il y a quelque chose en dessous. Wow, 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 wow. Ok, ça c'est les cubes de bébé là. Ah, ça c'est pour sauvegarder. Ça va le pousser, on sait jamais. Si c'est tombé, c'est que... Ouais, bah voilà. Ah non, je pense qu'il va falloir que je le monte. On va le monter, on sait jamais. Hein. Ok, là c'est le bac à sable du bébé, enfin de l'enfant. Ouais. Okay, on a un truc ici. What, c'est quoi ça? Ah, il y a un hérisson. Ok. Bon, je prends le cube avec moi, hein, je sais pas si ça va me servir, mais voilà, on le prend quand même. Ouais, bah écoutez, j'ai fait une connerie.
Web. Ah d'accord, je peux repasser par ici. Ça marche. Donc je pense que le cube va me servir à rien en fait. Juste... web. J'ai dû louper quelque chose. Il n'y a pas quelque chose pour s'accrocher là en haut. Ah non, j'ai compris. Je crois qu'il faut que je le bloque comme ça. Peut-être. Je suis pas sûr. Ouais, c'est bien ça. Ou pas. Ou pas, ou pas. Ah, faut que je pousse un peu plus. Voilà, pour avoir un peu plus d'élan. Enfin, plus de hauteur. Ici, ça devrait le faire. Voilà. Non ! Attendez, c'est comment alors ? Je suis presque persuadé que c'est ça. Non, c'est pas ça. Donc on va pousser ça là-bas. Ah, peut-être que c'est ça. Je suis pas sûr. En tout cas, ça va retomber dans tous les cas. Ok, ok, ça commence bien, écoutez. Déjà là, il y a déjà de la difficulté. J'ai dû louper quelque chose. Peut-être un autre cube. On va faire un... On va refaire demi-tour. Je suis pas sûr. Hein. Non, non, c'est... J'ai rien loupé. Ah mince. Mince, mince. Comment on est censé faire alors? Peut-être que je saute mal. Peut-être, je sais pas. On va repousser le cube. Et si ça... Si ça je mets là que je m'en vais de l'autre côté. Ah d'accord, c'est ça, d'accord. Comprendo, comprendo. Bon, ça, faut que je repousse de l'autre côté. Ok. Ça marche, ça marche. Ça, on va le laisser ici. Et on est parti. Ok. Donc, fallait le trouver, ça. Hein. Et on n'a rien au-dessus, je pense pas. D'accord. Je crois que je vais descendre quand même. Parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. On sait jamais. Dans tous les cas, c'est pour aller au même endroit. Ah. Attendez, je vais aller au-dessus avant quand même. J'ai l'impression qu'on peut aller sur le toit. Mais aussi rentrer par la fenêtre. Donc on va aller sur le toit avant. Raté. Ah! Ah, c'est une blague! Je vais essayer de pas sauter. Comme ça, j'aurai plus d'élan avec la corde. Un petit peu au moins. Voilà, comme ça. Ah, ça devrait le faire. Voilà. Non. J'y étais presque.
fous, mais je fais ça pour rien. Ok, c'est bon. Non, je pense pas que je peux aller sur le toit. Non, non. Je suis obligé d'aller à la fenêtre, d'accord. Wow, calme-moi ça. D'accord, changement d'ambiance. Ok. C'est quoi ça? On a encore un cube. Je pense que ça va encore me servir, mince. Ok, j'ai compris le truc. Donc là, on est arrivé dans... dans un genre... comment appeler ça? Hangar. Un truc pour mettre des fleurs. Paletti. D'accord, ça va m'aider. Wow, 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 calmos. Ça va m'aider à grimper. Ok, est-ce qu'on peut aller ici? Ouais. Il y en a quelque chose là-dessus. Ok. Donc ça, je sais toujours pas à quoi ça va me servir. Wow, putain, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, ce con. D'accord. Donc là, il y a un petit message qui est apparu en bas à droite de l'écran, qui me disait pièce manquante. Ah, je... on vient de débloquer un morceau là, non? Attendez. Herbe folle, c'était si beau. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ok, je crois que je viens de comprendre. En fait, là, le personnage revit tout ce que la mémé a vécu, en fait. Tous les souvenirs seront inscrits dans le livre, dans ce livre, je crois. Si c'est bien ce que j'ai compris, peut-être pas. En tout cas, j'ai bien l'impression, parce que là, voilà, on a vu des petites apparitions de personnages, que le bah, que Unravel, je vais l'appeler comme ça en attendant, s'il s'appelle comme ça, on dirait qu'il a pris les souvenirs et qu'il les met dans le livre. Voilà, là c'est l'endroit où on vient d'aller, Herbe folle, c'était si beau quand c'était tout neuf, c'est toujours aussi beau, même si le temps a changé les choses. On va tourner la page. Ok, maintenant il y a des photos. Mais c'est des vraies photos, ça? C'est tiré d'une histoire vraie, ça, ou quoi, là? J'ai l'impression que c'est des vraies photos. Ça a l'air, en tout cas. Ouais, ouais, c'est des vraies photos. Ou c'est des photos qui ont juste été prises... qui ont juste été prises pour le jeu. D'accord, en fait, là, on revoit tous les éléments qu'on a vus, en fait. La cabane, le petit vélo. C'est le vélo, ça? Non, c'est pas le vélo. Je sais pas ce que c'est. Le pissenlit, les arbres, d'accord. Ok, une fille qui joue... papillons, des fleurs. Ok, ça c'est dans le petit hangar avec toutes les fleurs. Et là, on n'a plus rien, d'accord. Et ça va être le prochain niveau, je crois. Alors, par contre, comment on fait pour retourner dans le niveau? Si on peut, parce que comme j'ai vu qu'il y avait écrit que j'ai oublié quelque chose, ça me fait un peu peur. Ah bah je sais, je suis con. Ça c'est juste le livre qui va où le personnage va inscrire tout ce qu'il récupère. Faut que j'aille de l'autre côté, en fait. Faut que je reparte là-haut. D'accord, ça marche. Par contre, est-ce que ça a sauvegardé? Je sais pas du tout, je pense, ouais. Herbe folle. Ok, ouais. Il y a bien des objets à récupérer. 3 sur 5 secrets trouvés. D'accord, donc ça, va falloir que je m'organise pour... bah, je pense qu'écoutez, on va se fixer ça tout de suite. Donc, je pense que à chaque niveau qu'on va faire, on va pas faire d'autres niveaux ensuite. Parce que là, je pense que ça fonctionne comme ça, hein, c'est des niveaux par niveau, là c'est herbe folle, ensuite si on avance sur un autre niveau, je pense que ça fonctionne comme ça, hein, mais je suis pas sûr. Donc voilà, là on a 3 objets sur 5, donc on fera un niveau par niveau, et on finira à chaque fois à 100%, là, par exemple, bah, dans le prochain épisode, pour commencer, on retournera dans ce niveau-là, récupérer les deux trucs manquants.
Alors par contre, dites-moi en commentaire si ça vous savez. Est-ce qu'on est obligé de tout refaire? Est-ce qu'on est obligé, quand on va rechercher les trucs, là, par exemple dans le prochain épisode, si je vais rechercher les trucs, est-ce que je suis obligé de refinir tout le niveau ou juste récupérer les deux trucs manquants et quitter? Dites-moi en commentaire parce que ça m'aiderait. Voilà, donc écoutez, on va cesser ici pour cet épisode. J'espère que ça a sauvegardé. Bon, si ça n'a pas sauvegardé, c'est pas grave. Je referai. C'est pas grave. Donc voilà, ouais, donc c'est un genre de Ori. Enfin, c'est pas totalement pareil, mais c'est, bah, vous m'avez compris, hein, c'est fantastique. Voilà, c'est en 2D, 2D, 3D. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte d'être au prochain épisode, de voir ce que donne la suite. En tout cas, là, ça m'intéresse. Je suis vraiment intéressé là, parce que le gameplay est excellent. La façon dont la laine a été utilisée, s'accrocher aux arbres et tout, c'est excellent. Le personnage a l'air intéressant. Les graphismes sont géniaux, sont excellents aussi. Donc voilà, j'ai hâte d'être au deuxième épisode. Donc bah voilà, écoutez. Ah, bah je crois que les prochains niveaux sont au-dessus. Il y a deux trucs là. Mince. Oula, trou de mémoire. deux cadres, voilà. Il y a deux autres cadres au-dessus, donc je crois que c'est les deux prochains niveaux. Mais on verra ça pour le prochain épisode. Donc bah écoutez, on va cesser ici pour cet épisode. Donc j'espère en tout cas que vous suivrez toute cette aventure avec moi. Ça me ferait extrêmement plaisir en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker si vous aimez, comme d'habitude. Donc voilà, bon, on se dit à la prochaine. Salut!